La France et Maurice ont toujours travaillé, ont coopéré ensemble et nous avons toujours l'espoir qu'il puisse toujours continuer pareil. C'est une coïncidence qui, pour nous l'indépendance, nous élève drapeau en Maurice à midi et c'est l'accord qui nous signe là aujourd'hui à midi. Ah ben, pourquoi l'histoire voulait que nous ayons la bénédiction pour continuer ensemble. Cet accord vise à conforter notre relation de coopération entre les forces de sécurité des deux pays. Vous le savez, nous sommes voisins, riverains, dans une zone, cet océan Indien, ce grand océan Indien, où nous avons un certain nombre de défis à relever. Des défis d'ordre de sécurité maritime, de sécurité tout court. Et de ce point de vue-là, eh bien, les forces armées françaises ont à cœur de travailler main dans la main avec leurs partenaires, leurs homologues, et singulièrement ceux de Maurice. Donc cet accord vient justement eh bien marquer noir sur blanc, gravé dans le marbre, si je puis dire. Et donc cela montre bien que nous nous inscrivons dans le temps long, dans un partenariat qui est renouvelé. Ces activités de formation, ces activités d'échange de bonnes pratiques. Et je peux vous dire que nous avons là une belle expérience, je crois que nous sommes très heureux de partager. Et c'est un grand honneur que Maurice fait à la France, effectivement, d'avoir pu mettre en forme ce document et pouvoir le finaliser, le signer en ce jour si important pour le peuple mauricien, qui est celui du cinquantenaire. Alors, très belle fête à tous les Mauriciens et vive la coopération entre France et Maurice.